Bonjour tout le monde! Ça fait comme un mois que j'ai pas vu Jessica. Puis là, je suis arrivée chez elle, puis j'ai tout de suite pris sa caméra. Puis c'est sa fête, donc je lui ai amené un petit cadeau. Un petit, puis là, c'est tellement gros. Elle est toute excitée parce que comme elle aime ça, parce que j'ai tout... cadeau. Pour de vrai? Oh my god, c'est la pression pour tes parents. Non, fait que là... Ok. Que... Je vais m'acheter un laptop pour une lettre. Ah, c'est bon. Oh fait que là, j'ai tout emballé, là. Puis là, elle ouvre. Fait que là, elle est excitée. Je connais l'intérieur du sac, là. Elle était comme plein de petits cadeaux. Allô, maman? Allô, Suzanne? Bonjour, ça va bien? Oui, t'as des petits trucs. Oh! Des chandelles. J'ai plus de chandelles en plus. Jessica, elle aime plus de chandelles. Ils viennent de où? Ça sent bien bon. Ah, oh, c'est pas une bonne. Oui. C'est nouveau? Je sais pas. J'ai jamais vu cet emballage-là. Ah, ça sent bon. Mmh. Fleurs de tiare des îles. Oh, moi, je suis allée à l'odeur. J'ai pas regardé les noms. Non, mais tu me connais bien, là. Fait que c'est un bon signe, c'est un bon signe. Et en plus, j'ai plus de chandelles, tu comprends pas? T'en as plus? Non. Donc, Jessica, elle a eu plein de petites chandelles. Et je sens dire que c'est Lida Markim, celle qui m'a conseillé. Pour vrai? Oui. Allô, Ariel! Allô, Pocha! Oh, Samia vient d'arriver! Oh, 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 l'amour! Wow! Je suis chanceuse! T'as acheté ça à Cuba? Ben, c'est maman qui l'a apporté. Ben, cute, maman! Fait que là, Samuel... C'est quoi Tutti Frutti? Fait que là, Samuel... fait que là, Samuel... il a acheté ça. Mais tu parles un peu. Sur Saint-Denis, restaurant. À côté de Juliette et Chocolat, il y a un magasin de bonbons. Puis c'est juste là qu'on peut les trouver. C'est pas ouais. Juste en face du théâtre, Saint-Denis? Oui, en face du théâtre. Pour localiser les... En parallèle, tu vois. Fait que j'aimerais ça faire ça avec ma mère. Faut pas que je regarde c'est lequel, ok? Puis dis-toi. Tu l'as vu en plus. Ok. Gang, c'est celui au poivre. Jess et Samuel ne veulent pas le manger. Mais moi, j'aime pas le poivre. Mais moi non plus. J'ai l'impression d'être comme. Décris ton expérience, j'allais dire culinaire. Buccale. Vaginale. Oh. On coupe, on commence. Croc. Oh wesh. Bonjour, je m'appelle Marie-Kim. Souvenez, est-ce que vous vous souvenez de moi? Vous savez... T'as l'air full bronzée. Je suis bronzée, mon ami. T'as vu ma démarcation? You're incroyable. C'est rare que je sois bronzée. Bref, vous vous souvenez de moi? Moi, je me souviens de vous. Mais bon, c'est pas ça le but du message, là. C'est voilà le cadeau de Jessica! Elle trouvait qu'il était bien emballé, donc j'ai décidé de vous le montrer. Oui. C'est cute, hein? Elle emballe super bien. Parce qu'emballer, c'est comme ma passion. J'ai déjà lu sa carte, c'est trop mignon. Regardez comment la foule écrit. Checker comment elle écrit bien en plus. C'est pas l'argent que tu mets dedans, mais c'est le temps pour... Et l'amour. L'amour. Parce que l'ingrédient secret des cadeaux, les mieux réussis, c'est l'amour qu'on met à l'intérieur. Et c'est comme concept parce que la fête à Jessica, c'est comme au mois d'août, mais en tout cas... J'ai tellement aucune idée de qu'est-ce que t'as fait. Il va falloir que je t'explique parce que tu vas trouver ça. Hein? Il y en a plusieurs? Ouais, plusieurs en guillemets là. Va falloir que je t'en explique un parce que ça va être comme what the fuck. C'est pas grave. Jessica aime pas le rose, mais c'est le seul papier qui me restait. Donc j'ai quand même mis ce papier rose. Oh, ça c'est une boîte que j'ai récupérée des cadeaux de Noël. Il va falloir que je te l'explique. Est-ce que je commence par lui? Oui, commence par lui. Il y a genre rien. Non, il y a quelque chose. Mais c'est quand même drôle là. En tout cas. Ok, attends, je t'explique. C'est toi qui l'as fait? Oui, oui. C'est toi qui me cute. Mais attends, c'est supposé être un bracelet, mais c'est pas un bracelet, ok? Parce que j'ai pensé à toi qui perd tout. Mais surtout ta clé USB. Fait que là, faut pas que tu perdes ta clé USB, pis faut pas que tu donnes un coup de pied dedans. Fait que tu pourras accrocher ça après ta clé USB, pis tu vas jamais l'oublier. Pis à toutes les fois que tu vas l'avoir, tu vas penser à moi. T'es tellement... Mais là, j'ai plus de clé USB vu que j'ai cassé, là. Ben, il va t'en falloir une nouvelle, là. T'es trop mignonne. Ah, c'est gentil. Ça, c'est juste drôle, là. Ben, je sais pas si c'est drôle, là. Ça, ça va être dans ma chambre, genre. J'espère. Non, mais comme... En plus, c'est mes crayons préférés. Quand tu vas écrire avec, tu vas penser à moi. En plus, j'aime pas les fleurs. Hey, mais en plus, t'es comme à la parfaite hauteur, genre, ils m'accrochent pas la main. Ben, c'est ça, je les ai mis dans ma... Je les ai... En tout cas, ouais. Parce que je voulais pas que ça gossant.
Oh, t'es tellement cute! Je sais que le mauve, c'est pas ta couleur préférée, mais je l'ai trouvé non, bien. Non, mais c'est quoi? Je m'en servais pour écrire dans mon agenda qui est genre maison. J'ai toujours les laissés mon agenda. Puis tu vas toujours penser à moi! Exactement! Wow! J'aime comment t'es tout le temps impressionnée, même par rien. Non, mais moi, c'est parce que je suis pas capable de rien faire de ça, genre. Fait que ça me fascine, genre. Oh my god! Est-ce que tu sais qu'il y a comme... J'ai rien acheté mes fournitures scolaires encore? Ben oui, je sais parce que tu reviens de vacances. Oh my god! C'est tellement genre, est-ce que tu sais... beau! Est-ce que tu sais que genre... T'as tout fait ça? Ben oui. Mais c'est pour ça que je dis que c'est bien que ta fête soit en août, parce que en août, c'est genre juste avant la rentrée. Oh, pour vrai, t'es chanceuse de venir aujourd'hui, j'allais y aller genre ce soir ou demain. Tu vois comment je suis géniale. C'est tellement hot. Hey, j'ai de la misère à te cadrer. Oh, oh my god, j'aime tellement lui. C'est vrai? Ouais. Oh my god, il est full beau. Mais lui, j'avais peur parce qu'il était un peu foncé, genre. Mais moi, j'aime ça. Mais c'est ça que je me disais, t'es noir pis blanc. Exactement. Oh my god, il est tellement nice. Yo, je me prends dans les cœurs pis tout le monde est comme, où est-ce que t'as acheté ça? J'étais comme, ah, c'est mon préféré. Genre, je l'ai pas. Ah, ça, c'est mon préféré. D'accord. Ça, c'est sûrement mon préféré à moi. Sûrement. Je voulais pas mettre mon préféré sur le dessus, fait que. Ah, ok, oui, c'est mon préféré. C'est des fleurs. Ah! C'est hot! Lui, tu vas peut-être avoir de la misère à écrire dessus, mais non. Avec un Sharpie... Ouais, c'est ça. Mais j'écris tout le temps avec un Sharpie, Noé. Vous allez comprendre que Marie-Kim et moi, on a comme une grosse obsession pour toi des fournitures scolaires. Ah, Seigneur, oui. Genre, ok, mais... Oui? Au cégep, on matchait tout le temps, donc... C'est ça, mais comment... Je vais matcher mes cahiers avec qui? Comment je vais savoir comment faire mes notes de cours? Puis quelle couleur? Va falloir qu'on se texte, là. On va s'envoyer des photos. On n'aura pas vraiment le choix. No. Oh! Ok, maintenant je t'en disais. Le mauve, c'est pas ta couleur préférée, non, mais genre c'est trop. C'était avec ça que ça fitait le plus. Mais quel livre? Ça, c'est pas un livre, c'est la première édition de la revue Véro que j'ai découpé des extraits. Fait que là, Marie-Kim puis moi, on vient de parler pendant genre une heure et demie là, à peu près. Parce que, tu sais, une heure et demie de temps, j'ai ouvert son cadeau. Pis pour vrai, genre, je capote vraiment, là. Ça, c'est mon préf, la vie. Le cahier, il est tellement trop hot. Pis lui aussi, il est vraiment trop beau. C'est sûr que vous êtes tous jaloux, là, en fait. Pis on a Ariel, pis elle a fait le tour de mon petit sac que je garde tout le temps pour mes amis. Genre, mes trucs que, genre, je veux pas ou que j'ai jamais utilisé, que j'ai trop, là. Fait qu'elle a tout pris ça. Pis ça, elle va fun aimer ça, je suis sûre. Ça, c'est nouveau de chez Vichy, mais je pense pas que vous pouvez encore le trouver. C'est pas encore en pharmacie. Puis moi je l'ai. Exactement. Fait que là on va se mettre plus belle parce que comme vous voyez, c'est pas super beau. Fait qu'on va mettre la musique, on va se préparer, puis on va filmer une Q&A ensemble parce qu'on a eu quand même pas mal de questions. Fait que là on a décidé d'aller au Thai Express pour souper. Arrête de prendre une vague même. Puis bon. Parle plus fort, puis articule plus. C'est ouf, j'ai coupé à la Les chemises de l'archiduchesse sont d'un chasse. Ouais, fort. C'est pas la part, tu parles pas assez fort. On entend rarement mieux ce que tu dis. Pss, pose la caméra comme ça. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. On s'en va au Thai Express. Pss, 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 pss. Ok, c'est correct. Girl. On va prendre du Thai Express. Moi, j'ai pris un pâte soupe. Pâte soupe poulet. Pâte soupe poulet. Avec ça. Toi, Alex. Ça. Même chose que moi avec Gisèle. Pas de sou ou bœuf. Qu'est-ce qu'on écoute? Dumb and Dumber 2. Ouais. C'est un film de con, c'est vraiment drôle. On a vu le premier la semaine passée. Ouais. En partie. Enfin. Là, il est sorti, ça. Pas longtemps, je pense. C'est trop. Parce que. Ça, c'est laid. C'est genre. Tu sais quand il pogne le boss? Bon matin! Aujourd'hui on est samedi.
Puis c'est ça, mais là ce matin on s'est dit on va aller voir des autos parce qu'Alexis s'achète une auto d'ici quelques temps. Fait que il a déjà fait un concessionnaire projet chez lui, puis on va aller sur le bord des sources dans le Zélire parce qu'il y a un autre concessionnaire Volkswagen. Fait que on va aller checker ça. Ah, mettons je fais un l'achat, je vais y penser aujourd'hui. Vraiment longtemps. Très longtemps. Fait que mettons le produit, ben je vais être sûr que quand je vais être prêt pour l'acheter, je vais vraiment le vouloir. Mais... Ouais. Fait que mettons les statistiques, les chiffres de ces affaires-là, je les connais, puis après ça, à partir de petit produit, je vais m'acheter. Avec un radar. Il va penser, il va dire qu'est-ce que je fais là, mais c'est pas grave. On bloque, gang. On bloque. Vraiment malaisant est arrivé. Puis, il y a plein de gens en veston, cravate, genre, pis les malades sont comme habillés full chic en talons, pis tout ça. Il est comme drette devant la porte d'entrée, genre. Alors, ici, il pense qu'il y a un événement, mais là, moi, je suis comme. Je sais pas, là. C'est un peu intimidant, les gens. Mais là, on les voit pas, là. On fait quoi? Je sais pas, même pas d'avoir des lumières en dedans. Mais là, c'est ouvert? Ouais, Alexis, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai arrêté parce que la lumière était rouge. Non, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle était jaune puis j'ai voulu passer. Alexis, qu'est-ce qui vient de se passer? Petit gosse. Go! Alexis, c'est acheté un auto! On avait full pas l'intention. Ben, Alexis avait vraiment pas l'intention d'acheter un char aujourd'hui, je pense. On y allait juste pour comme aller voir puis. Tu sais, il sait ce qu'il veut depuis longtemps, là, parce qu'Alexis, quand, comme il dit tout le temps, quand il va faire une grosse dépense, il passe vraiment longtemps. Fait que c'est pas un achat, genre, sur le coup, là. Un... Il roule vite, le gars. Yo, t'as vu son char, man. Yo, il a boucané, man. C'est monstre. Mais si, ça demande vraiment ce qu'il échappe à la distance de ma caméra, il m'a full regardé crush. J'ai déjà qu'il se fait avec sa casquette, c'est juste énorme. On a pogné un full bon vendeur, on a rencontré le boss des finances, pis. Alexis, il y a vraiment un bon deal. Si vous cherchez une Jetta, puis vous êtes dans une Volkswagen Jetta, allez sur le pouvoir des sources. Ouais. Voir le Volkswagen sur des sources. Ouais. Parlez à. Daniel. Attends, ouais. Je vais vous dire son nom précis. Daniel Rempersad. Ouais. Puis le directeur financier, c'est Louis-Charles Nadeau. Pour vrai, c'était vraiment un bon team, genre. Puis je pense qu'Alexis, il ne pouvait pas avoir un meilleur deal que ça pour un auto. Puis tu sais. C'est pas une petite auto BS qui s'est pris là, c'est une bonne auto qui va être toffée longtemps, genre, pis... Ouais. Fait qu'il va voir son auto mardi! Fait qu'on va être full plus indépendant, ben, lui, mais moi aussi ça va avec, là, je pense, là. Bon. Oui. Fait que c'est ça, là. Yay! Oh, une raison de plus à boire ce soir. Ma fête. Pis son char.